Sensibiliser la force publique, les chefs de quartier et les superviseurs des marchés domaniaux des 6 arrondissements de Pointe-Noire sur la vaccination contre la Covid-19, la résurgence des sacs plastiques et le déguerpissement des marchés parallèles, tel a été l'objet de cette rencontre des animateurs maires d'arrondissement de la commune de Pointe-Noire. Ces points retenus ont été exposés par Zéphiringué, administrateur maire de l'arrondissement 4 Luandjili. Nous avons été installés respectivement par M. le préfet du département de Pointe-Noire au nom du gouvernement général et en particulier au nom de notre ministre de tutelle. Et nous avons pris la fonction. Alors nous avons pensé que cette fois-ci, qu'il fallait se retrouver pour réfléchir, pour analyser toutes les questions qui touchent la vie de nos 6 arrondissements, la vie des citoyens, la vie des citoyennes, la vie de nos populations et les différents problèmes, assainissement, infrastructure, les problèmes de sécurité. Puis, les participants à la réunion ont à leur tour évoqué les difficultés rencontrées dans leur secteur d'activité respectif. Je voudrais préciser pour le problème des mercredis et dimanches qu'on n'a pas de marché. Oui, ça fait que les vendeurs, même si on les chasse, après, derrière, ils peuvent revenir. Toutefois, on a des jours dans les marchés, surtout les jours des mercredis. Parfois accompagné de la police, mais après, ils reviennent. Les marchés anarchiques, je pars sous le contrôle du commissaire de Mvouvou. C'est vrai que les vendeurs sont très têtus, mais il ne faudrait pas baisser les mains. Nous savons que vous avez un sous-effectif, les commissaires, mais il faut laisser un policier pratiquement une demi-journée au niveau de du marché anarchique. C'est tout ce qu'il faut faire. Et chaque jour qu'il doit avoir ce marché anarchique, vous remettez les policiers. Et frapper lorsqu'un policier s'est laissé corrompre, c'est la seule façon pour arrêter cela. Les chefs de quartier ont un rôle non négligeable dans la vulgarisation de ce message. Retenons que cette réunion des administrateurs maires se tient en prélude à la phase pratique des opérations de contrôle des personnes vaccinées, du démantèlement des réseaux de vente des sacs plastiques et du déguerpissement des marchés parallèles dans les 6 arrondissements de la ville de Pointe-Noire.